Nous ouvrons à toute suggestion responsable. Le député d'Ottawa Sud, nous comprenons que le ministre de l'Environnement a transféré des documents au comité permanent des opérations gouvernementales concernant des discussions que son directeur régional des affaires directeur politique des affaires régionales a eu le printemps dernier avec Rahim Jaffer concernant certains de ses intérêts commerciaux. Maintenant que le ministre a admis que ces réunions ont lieu dans le bureau de l'ex-ministre de la Condition féminine, peut-il maintenant confirmer que ces discussions étaient concernait RLP Energy Incorporated, le ministre des Transports. Aucune des allégations faites cette semaine ne confirme qu'il y a eu des fonds qui ont été allés aux personnes que connaît M. Jaffer. Le premier ministre, la personne qui a reçu l'information a recueilli les documents et les a transmis au commissaire à l'éthique. Si le député a des éléments de preuve, il devrait suivre l'exemple du ministre de l'Environnement, le député d'Ottawa Sud. Puisque le ministre a transmis des informations au comité et qu'il a admis que son directeur régional a rencontré M. Jaffer dans les bureaux de l'ancienne ministre de la Condition féminine, peut-il nous dire, un, quel est le projet sur lequel les discussions ont porté? Deux, quelle était la nature du projet en question? Et trois, quelle était la valeur de la subvention que M. Jaffer ou son partenaire Patrick Glémeau ont sollicité du gouvernement du Canada? Bonne question. L'honorable ministre des Transports. Let me be very clear. Soyons bien clairs. Les Canadiens voient la différence entre les normes éthiques de ce gouvernement conservateur et celles des libéraux qui nous ont précédés. Et quand nous avons reçu des courriels des lobbyistes, le gouvernement les a transmis au commissaire indépendant, au lobbying et à l'éthique. Quand les libéraux ont reçu des courriels des lobbyistes, ils leur ont remis des sacs d'argent. Okay.